C'est-à-dire que Malek a toujours vu les gens de face. Donc on va être en face de lui, voilà, c'est tout. Donc voilà, donc c'est le... Vous savez que c'est la journée mondiale du théâtre international. Elle a été instituée comme journée internationale du théâtre par l'Institut international du théâtre en 1961. En deux mots, cette journée qui, en fin de compte, c'est la journée du 27 mars, mais qui s'étale chez nous du 26 jusqu'au 30 mars en matière d'activité. Donc, c'est une histoire d'une troupe de théâtre française qui est allée jouer un spectacle et n'a trouvé aucun spectateur. Donc, elle a quand même donné le spectacle. Et depuis ce temps, c'est devenu de tradition que le théâtre se joue, que la fête se fasse. Nous, au niveau du théâtre d'objet, à chaque année, on a essayé donc, d'organiser quelque chose. Aujourd'hui, je pense que nous allons quelque part, si vous voulez, couronner le grand hommage que nous avons commencé à Abdelmalek Bouguermouh depuis la baptisation de ce théâtre au nom de Malek. L'année passée, il a eu un hommage dans le cadre du festival international et cette année, nous avons donc décidé de l'installer dans son théâtre, de l'installer chez lui. Donc au départ, je remercie tous ceux qui sont venus ici, la famille de Malek Bouguermouh qui est parmi nous, la famille de notre ami sculpteur qui a réalisé ce bel ouvrage, Olivier Crène, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Nous remercions donc tous nos amis donc, de la presse écrite et de la presse donc, et de la radio qui sont parmi nous et qui nous accompagnent souvent. Nous remercions aussi nos amis de Djidjel qui sont aussi parmi nous aujourd'hui. Enfin, tous ceux qui sont parmi nous, les amis du théâtre de Malek Bouguermouh. Madame Bouguermouh s'est excusée donc, de ne pas être présente pour des raisons professionnelles. Elle m'a envoyé un message, si vous voulez, que je me permettrai de vous lire en attendant de découvrir le buste de Malek. Monsieur Fedrouche, permettez-moi d'abord de m'excuser de ne pas être auprès de vous aujourd'hui pour découvrir cette belle sculpture du buste de Malek, des obligations d'ordre professionnel me retenant à Alger. Depuis votre désignation à la tête du théâtre de Béjaïa, vous n'avez eu de cesse de rendre régulièrement hommage à Malek lors des dates anniversaires de son décès pour la reprise de Rjel Yahlalef lors de vos diverses interventions à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite. Je vous en remercie ainsi que pour tous les efforts que vous avez consentis pour que le théâtre de Béjaïa porte son nom. Tout ce long travail pour perpétuer le nom de Malek et surtout son œuvre est aujourd'hui assuré par la réalisation de ce beau buste à son effigie par notre artiste Olivier Crène. Pour cela, je tiens à remercier chaleureusement l'artiste qui a réalisé cette œuvre pour tout le mal qu'il s'est donné afin de reproduire le plus fidèlement les traits de Malek et d'en faire ressortir l'humaniste et le grand artiste qu'il était. Je voudrais également saluer tous les travailleurs du théâtre, comédiens, metteurs en scène, musiciens, décorateurs et tous ceux qui participent quotidiennement à créer du bonheur pour les spectateurs que nous sommes, qu'ils trouvent ici ma profonde gratitude pour l'immense travail fait pour perpétuer la création artistique et le beau théâtre que Malek aimait offrir au public. Mes enfants Yasmine, Tininan, Mahmoud, mon gendre Soura et mon adorable petit-fils Malek, ainsi que toute la famille Bouguermouh, se joignent à moi pour vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites et souhaiter longue vie au théâtre Malek Bouguermouh. Madame Veuve Bouguermouh, Akel. Voilà. C'est Graïne, c'est Olivier Graïne pour rectifier. Merci madame. Eh bien, j'appelle un membre de la famille de Malek, donc de se présenter madame si vous voulez. Et bien voilà, donc nous allons découvrir. Allez, les trois coups d'abord de théâtre, allez. Un, deux, trois, et on y va. Vas-y. Ouais.
Voilà, dès comme ça, on a voulu ça, une petite rencontre conviviale, dans toute sa simplicité, comme a été simple Malek Bouguermoi. Et puis voilà, en attendant de prendre les photos, vous êtes conviés à un petit buffet. Je remercie aussi profondément M. Khalla Frehi qui est parmi nous et qui nous accompagne donc depuis qu'on a commencé ce bel ouvrage. Je lui donnerai la parole quand même pour nous dire un petit mot. D'abord, je tiens à saluer l'ensemble des fonctionnaires du théâtre et toute la famille du secteur de la culture. Ben, je me souviens très bien des cafés qu'on prenait avec Maître Bouguermoi en 1989, juste à côté. Que Dieu ait son âme au paradis et que son œuvre continue à travers vous, en tant que metteur en scène, avant que vous soyez directeur de théâtre, et tous les artistes qui activent afin que le théâtre continue à œuvrer dans le bon sens. Merci. Merci, et on vous invite à prendre des rafraîchissements, des gâteaux, et à être comme ça. Merci toujours d'être ensemble comme ça. Allons-y, Ramadikom, et voilà, vous avez le plus pour ceux qui veulent prendre des verres.